d'apprendre à connaître les goûts et les arômes pour pouvoir en y avoir toute la subtilité. Bonjour, je m'appelle Cécile, mais vous pouvez m'appeler chef œnologue. Je suis super ravie finalement de faire partie de cette aventure au sein de Vignerons Engagés en tant qu'administratrice et en tant que membre de la commission technique. Je suis originaire de Bourgogne et je travaille dans la Drôme et je suis passionnée de vin parce que j'aime boire et j'aime manger. Non, et aussi parce que c'est une super aventure humaine française. Mon expérience finalement avec ma formation d'œnologue et puis avec mes compétences en environnement apportera au label un plus très pragmatique et très terrain. Quand je bois un bon vin, vous me trouverez probablement en train de sourire, rougir. J'aime déguster une bonne bouteille en présence d'amis chers et de ma famille. Et faire découvrir le vin à mes enfants. Pour accompagner mon plat préféré, j'en ai plein. Un bœuf bourguignon. Je choisis un pommard, mon vin préféré. Et pour un plateau de fromage, ça peut être peut-être même un petit crément. Ça peut le faire aussi sur un plateau de fromage. Et un dîner romantique aux chandelles, un vin du Côte-du-Rhône méridional. Alors, pour moi, une mauvaise pratique dans le vin qu'il faut éradiquer serait de ne pas prendre le temps de l'apprécier. Et une bonne pratique dans le vin serait d'apprendre à connaître les goûts et les arômes pour pouvoir en y avoir toute la subtilité. Ce que j'apprécie chez Vignerons Engagés, c'est le collectif. Comme par exemple dans la commission technique, où on échange sur nos pratiques et nos bonnes pratiques pour nous faire tous progresser. Je suis prête à apporter mon expertise et ma prise de recul sur les consommations d'eau, d'énergie, maîtrise de nos déchets. Je suis ravie et très honorée de faire partie du conseil d'administration de Vignerons Engagés. Préparez-vous à une aventure riche et mouvementée, remplie de bonnes pratiques environnementales.